Madame Viviani. Son congé de maternité ne devait commencer que la semaine prochaine, seulement voilà. Une première grossesse, ça vous panique toujours un peu. Enfin, vous savez ce que c'est. Oui, ben non, je sais pas ce que c'est, ça m'est jamais arrivé à moi. Bien. Avant de vous laisser faire connaissance avec Monsieur Novak, je tiens à vous avertir d'une chose importante. Je compte sur vous tous pour ne pas le faire trop souffrir. Et j'ai bien dit tous, n'est-ce pas, Thierry? Je sais, tu vas me dire que ce n'est jamais de ta faute. Je connais la chanson. Bien. Si vous avez des questions avant que je m'en aille... Vous allez rester longtemps, monsieur? Oh bah, dis donc, t'es pressé de me voir partir. Non, non, pas du tout. C'était juste pour savoir. Ah bon, tu me rassures. Je vais rester 3 mois avec vous. Le temps pour votre maîtresse de faire son enfant. 3 mois, rien que pour accoucher? C'est vachement long. Ah, ça, c'est un hamster, madame la directrice, un hamster belge qui vient d'avoir une peur bleue. Vous savez très bien que j'ai horreur de ça. Je vous vois tout à l'heure dans mon bureau, monsieur Novak. Et la prochaine fois? Tu vérifieras si ton sac est bien fermé. On va pas la laisser sous l'armoire, cette petite bête. Oh, regardez, il remue ses moustaches. Il est trop mignon. Ah, c'est dégueulasse. On dirait un gros rat. Toi, on t'a pas sonné, alors camembert. Monsieur, monsieur, on n'arrive pas à le choper. Oh, on n'arrive pas. Faites-moi un peu de place. Je vais voir ce que je peux faire. Par où il est? Par là? Tout droit, ouais, tout droit. Ouais, tout droit. Là, encore, là. Encore, non, là, tout c'est droit. Bon, là. Ouais, là, ouais, là c'est ah, je l'ai, ouais, je le tiens, je le tiens. Ouais. C'est bon, je l'ai. Oh, il est gros. Oh là là. On voit qu'il mange pas à la cantine, lui. Elle, oui. Ça, c'est une dame qui attend des bébés. Comment c'est son petit nom? Joséphine. Mais le problème, c'est que j'ai le papa aussi, Napoléon. Oh là là, mais c'est tout ce que t'as dans ton sac, là. T'as pas un lapin, un crocodile? Et qu'est-ce qu'on va faire de ces deux fauves? Je peux pas les ramener à la maison, monsieur. Mes parents en veulent plus à cause du chien. On a qu'à les garder en classe? Oh non! Oui, oui, oui! Bon bah tiens. Moi, quand je serai grand, je serai pilote de moto. La semaine dernière, c'était cascadeur de cinéma, faudrait savoir. Hein. Pourquoi, tous les deux? Bah, on attend son père, il est jamais à l'heure. Il est pas que pour venir nous chercher à l'école, hein. Qu'est-ce qu'il a comme voiture, ton père? Un 4x4. C'est pas lui, ça? Moi aussi, tiens, je vois. Salut. Salut, les enfants. Salut, toi. Ah. Oui. Bonjour. Bonjour. Victor Novak. Philippe Mazière. Alors, c'est vous, le remplaçant? C'est moi, ouais. Olivier m'a dit que vous aviez des chevaux. Oui, oui, c'est vrai, je viens des cours d'équitation. Puis j'ai un petit haras, pas très loin d'ici. Vous connaissez la région, non? Pas du tout. Mais je vais me promener avec mon cheval mécanique. Ça fait partie des plaisirs du métier. Vous allez habiter où, monsieur? Dans l'école? Je crois pas, non. Non, j'ai un appartement de fonction, mais je voudrais habiter dans la nature. Y a pas une petite auberge par ici? Il y a bien l'auberge de Saint-Rémy qui est pas mal située, mais c'est pas vraiment donné, hein. Ah. Au fait, vous n'avez rien contre les chevaux? Non. Non, non. C'est ça! Bien! Très bien! Vas-y! Laisse-le bien aller avant l'obstacle! Voilà! Allez, on y retourne! Très bien! Super, t'as un vrai copain, mon capitaine! Mets-toi bien dans l'axe! Alors, cette chambre, ça vous va? C'est parfait. Il y a les chevaux, la nature, les vieilles pierres. Je sais pas comment je vais le remercier, ton père. Allez, vas-y, remets-toi en place doucement. Mets-toi en place pour le double. On avait dit la prochaine fois. Allez, vas-y, le jour du concours, qui échappera pas? Allez, ma grande, en piste. Allez, vas-y, Lolotte. Ouais, vas-y! On va y arriver, hein, papa. Il sautera pas à son cheval, il a senti qu'elle hésite.
Bien vu. Hé, t'as vu papa, c'est la maman de Charlotte? Bien sûr, je l'ai vu. Et alors? Hein? Allez, on y va. N'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut dans l'écurie. Ouais. Merci. Allez. J'ai dit faut que t'arrives. Sans toi, j'aurais jamais pu sauter. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis très fière de ma grosse puce. Bravo, Charlotte. Merci. Bravo. Bonjour. Bonjour. Vous allez voir, ça va devenir une grande championne. Ouais, comme toi. Moi, c'était il y a longtemps. Hein? T'as vu ça? Ils sont encore à se serrer la main. Ouais. D'ici qu'il l'invite à dîner, on aura passé notre bac. C'est pas normal. Il t'a déjà parlé d'elle, au moins? Ouais, une fois. Une fois? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'elle était sympa. Sympa? Mais ça va pas du tout, ça. On tombe pas amoureux de quelqu'un de sympa. Ah bon? Si on veut que ça marche entre eux, on a intérêt à s'y mettre, hein. Oh oh. S'il se casse la figure, qui c'est qui va le remplacer? Je sais pas, personne peut-être. Comme ça nous fera des vacances. Il se débrouille pas mal pour un instit. Ouais, en tout cas, je crois que c'est râpé pour les vacances. Papa, reste avec moi. T'en vas pas, papa. Papa, t'en vas pas. Non, 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 ils vont se réchauffer auprès de leur mère, là. Tiens, tu les vois, là, regarde. De toute façon, dans quelques jours, il y a les poils qui vont pousser, donc tout ira bien. Ils seront de quelle couleur? Ça dépend des gènes. Les gènes, Steve. C'est quoi, les gènes? C'est des trucs minuscules, pire que des microbes, on a des milliards, comme dans un ordinateur. Oui, c'est pas tout à fait aussi simple. Enfin, déjà, le corps humain, c'est beaucoup mieux qu'un ordinateur. Ben, allez vous asseoir, je vais vous expliquer. Ce qui est sûr... Ce qu'on sait, c'est que les parents, nos parents, nous lèguent des caractéristiques physiques particulières. Alors, c'est la couleur de la peau, la taille, si t'es grand ou si t'es petit, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux. Et tout ça, ça s'appelle l'hérédité. Les parents, ils sont tous les deux blonds, et pas moi. C'est possible? Parce qu'ils ont des perruques, banales. Crétin. Évidemment. Non, mais évidemment, c'est possible, puisque t'es là. Mais comment ça marche? Quoi, au juste? Pour les yeux, par exemple. Les yeux, c'est un petit peu compliqué. Et alors, on n'est plus des bébés? Oui. Ouais. Bon, alors, pour la couleur des yeux, elle est définie par deux gènes. Hein? Un gène qui vient du père et un qui vient de la mère. Si le père a les yeux bleus, la mère a les yeux bleus, l'enfant a les yeux bleus. Et quand ils ont les yeux marrons, les enfants ont les yeux de cochon. Elle est bonne. Hein? Non, alors, on va marquer ça. Le père, la mère. Voilà. Et puis en dessous, là-dedans, ça sera leur stock génétique. D'accord? Si le père et la mère ont les yeux bleus, l'enfant a les yeux bleus. Alors, tu dirais quoi, Sherlock Holmes? J'en sais rien, j'y vois que dalle.
crois qu'il faudrait une autre photo. Mais si ta mère t'a dit qu'il les avait marrons, c'est qu'ils sont marrons. Mais pourquoi à chaque fois que tu rêves de lui, ils sont bleus, ses yeux? Tu sais, moi, à chaque fois que je rêve que je vole, c'est pas pourtant qu'il me pousse des ailes. Pff, t'as rien compris à la leçon. S'il avait les yeux bleus comme ma mère, je devrais aussi les avoir bleus, mes yeux. Si ça se trouve, ton père, c'est même pas ton père. Fous-nous la paix et casse-toi. Si je veux, pauvre con. Hé, hey, tu ranges cette photo, connard. La photo. Tu me la rends. La photo. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez tous les deux. Je pense que t'as volé, pauvre con. Arrêtez. Oh, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de photo, là? C'est quoi cette photo? C'est que tu me dis, Charlotte, elle pleure. Tiens. Mais pourquoi tu pleures comme ça, Charlotte? Qu'est-ce qu'elle a là? Charlotte? Allez, rentre en classe. Rentrez en classe, tous. Le soleil se couchait sur la plaine endormie. Le soleil se couchait sur la plaine. Ça va mieux ? Le soleil se couchait sur la plaine endormie. Alors, ta maman, elle va bien? Salut, mamie! Oh, bonjour, ma Pauline. Il y a longtemps que je t'avais pas vue. Mamie, la dernière fois, c'était la semaine dernière. Oh. Dis, tu l'as connue, toi, papa? Évidemment, quelle question. Oh, avant que j'oublie, j'ai retrouvé ça au grenier, c'était à ta maman, tiens. C'est quoi? Une surprise, tu verras quand tu seras rentrée. Attends. Moi, papa, je me souviens plus beaucoup. C'est normal, tu sais, ma chérie, tu avais à peine 4 ans quand il est mort. Mamie, je me souviens d'un truc, c'est qu'il avait les yeux bleus. Non, pas bleu, noisette, comme les tiens. C'était un être merveilleux, tu sais, il fallait voir comme il s'occupait de toi. Je pense souvent à lui. Oh, mon Dieu, comme le temps passe. Dans une semaine, tu as 10 ans. Oui, et paraît-il que pour ces 10 ans, on a un plus gros cadeau. Coquine, va. Mais c'est quoi? Ah non, je te le dirai pas. Allez, mamie. Non, tu attendras la maison. Tu sais, j'avais perdu le modèle. J'ai jamais pu le finir. Je vais quand même essayer. Tu vas pas les mettre là-dedans? Pourquoi pas? C'est joli, non? Championnat régional d'Anjou, premier prix. Folle jeunesse. J'aimerais bien la gagner. Mais tu la gagneras, ma puce. Celle-là et toutes les autres. C'est pas de notre faute si... On a ça dans le sang, chez les Renan. Dis, maman, je trouve qu'il est canon, le père d'Olivier, pas toi? Si, si. Il est très gentil. Mais non, maman, canon, ça veut pas dire gentil. Ça veut dire beau, intelligent, craquant, tout ça, quoi. Elles sont belles, non? Oui. Et en plus, c'est triste parce que depuis que sa femme est partie, eh ben, il vit tout seul, lui aussi. Mais je vis pas toute seule, moi. Je t'ai pas dit que j'avais une fille? Une adorable petite puce qui s'appelle Charlotte? Mais maman, je comprends pas. Depuis que papa est mort, t'as jamais pensé à... Mais dis donc, tu chercherais pas à me caser, toi? Mais non, je voudrais juste que tu sois heureuse avec quelqu'un. Et puis, t'es pas si mal pour ton âge. Eh ben toi, t'es belle, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Olivier, regarde. Jamais sur le terrain, vous aimez pas le jumping? Si, j'aime bien, mais en spectateur. Vous avez la trouille? Oui, j'ai la trouille. Disons que j'ai un très mauvais souvenir, alors maintenant, je peux faire la promenade. Philippe est pas là, je peux venir avec vous? Oui, mais pas longtemps, parce qu'il va faire un orage.
ça te tente pas, le cheval? Non, moi je préfère mon vélo. T'as raison, c'est plus pratique. T'as pas à le nourrir tous les jours. N'empêche que son vélo, il vit pas. Tandis qu'avec mon cupidon, quand on galope, je le sens respirer. C'est comme si on s'envolait. Ouais, mais n'empêche que tu serais pas capable de le sauter, ce mur-là. Ça va pas la tête, je suis pas zinzin. T'as raison, c'est trop dangereux. Mon père m'a dit que la fille de l'ancien propriétaire avait essayé. Le cheval s'est cassé les jambes. On l'a envoyé à l'abattoir et elle, elle a fini dans une chaise roulante. On devrait rentrer, le rachat arrive. Et pour ton blanc, ça va être à toi de jouer. C'est pas très malin ce que tu fais là. Pourquoi tu fais ça? C'est pour que mon père aide la mère de Charlotte. Comme ça, elle le trouvera gentil, puis ils discuteront ensemble. Ouais. C'est lui. Je suis contente de vous voir. Tu veux rien, monsieur? Charlotte n'arrête pas de me parler de vous. Bonjour. Bonjour. Tout va bien en classe? Ben justement, si j'avais avec des élèves comme elle, je démissionnerais. Mais non, elle est vive, elle est intelligente, elle comprend tout tout de suite. Mais elle est très sensible. Oui. Oh, c'est dingue! Vous avez un pneu à plat! Oh non, c'est pas vrai encore! Ah oui. Ben, vous avez. Elle a dû crever en venant. Oh, comment je vais faire? Vous pouvez me donner un coup de main? Oui. Oui, mais moi, avec la moto, j'ai jamais crevé. Vous pouvez vous en sortir avec ça? Ben, je veux bien essayer, mais je garantis rien. Vous êtes sûr que ça va ensemble, les deux? Ouais, je crois. Aïe! Oh, je me suis pincé le doigt bien, là. Heureusement que vous êtes instit et pas garagiste. Ah bah tiens, Philippe, tombez bien. Vous savez vous en servir? Hey, merci, Victor. Allez, rentrez vite, les enfants, ils pleuvent, là. Allez. Oh, j'ai pas envie de me rouler. Oh, laisse tomber. Ah, ouh, je suis trempée. Alors, ils en sont où? Ouais, ça y est, ils se sont mis à l'abri dans la voiture. Le problème, c'est qu'on y voit que dalle. Eh, peut-être qu'ils s'embrassent. Ça va pas la tête. Ma mère, c'est pas du genre à le craquer du premier coup. Ouais, d'accord. Mais dans les films, ils se rencontrent et craquent, la scène d'après, ils font déjà l'amour. Oui, ben la scène d'après, vous, vous venez goûter. Parce que c'est prêt. Allez, venez. Et faites attention parce que c'est vraiment chaud. Hein. Saleté d'essuie-glace depuis le temps que je dois changer celui-là. Ah non, c'était à notre première rencontre. Oui. Tu crois pas qu'on pourrait leur dire, non? Pour l'essuie-glace? Des fois, je te comprends pas. Ils attendent que ça, les enfants, qu'on vive ensemble. Comme ça, on habiterait ici tous les quatre. Ce serait hyper cool. Ouais, comme une vraie famille. Vous n'avez pas de famille, vous, monsieur? Si, si, bien sûr, mais... Je veux prendre ton bol? Oui. Je la vois pas très souvent. À cause de votre travail? C'est ça, ma grande, ouais. À cause de mon travail. Monsieur, samedi, c'est mon anniversaire. Ça me ferait plaisir que vous soyez avec nous. Hé, hey Charlotte, attention, regarde. Attention, attention. Joyeux anniversaire, Charlotte. Joyeux anniversaire, Charlotte. Joyeux anniversaire. Tout d'un coup, tu peux faire un vœu. Vas-y. Allez, Charlotte. Allez, allez. Oh, ouais, ouais, ouais. C'est bien. Bravo, Charlotte. C'est bien. C'est bien. Lumière. Allez.
Champagne. Oui. Attention les oreilles. Comment ça souffle, machin? Comment ça souffle? C'est pas difficile, hein. Allez, allez. Attention. Voilà. C'est bien. Champagne pour tout le monde. Pour moi. Celui-là. Merci. Et Olivier, qu'est-ce que tu fais? Petite goutte. Aïe, 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 tous aux abris. Ouais. T'as l'air malin avec ce truc. Charlotte. Tiens. C'est quoi? C'est ton cadeau, ma chérie. Mamie m'a un peu aidée. Un billet d'avion? Pour Prague. Tu connais Prague? C'est là où il y a les championnats du monde de jumping? Ouais, super. Merci, maman. On ira toutes les deux entre filles, Dac? Ouais. C'est qui? J'sais T'as pas. Invité quelqu'un d'autre? Non, je vais voir. Victor, ça vous ennuie pas de couper le gâteau? Non, non, bien sûr. Attention à vos doigts. Vous savez, de mon temps, l'instituteur, c'était quelqu'un. On pouvait compter sur lui en toutes circonstances. Ça n'a pas changé, la preuve. Charlotte, viens voir. C'est quoi? Bonjour, là. Bonjour. Ouais, encore un cadeau, je parie. T'as du bol. Ça vient de Strasbourg. Ouais, les parents de papa. Au revoir. Je me demandais si vous alliez y penser. Pourquoi vous êtes brouillés? Non, on est seulement un peu loin, alors on se voit plus beaucoup. Je te la lis? Oui. Ma chérie, nous pensons très fort à toi, à Claire et aussi à ton papa qui nous manque beaucoup. Notre cadeau a surtout une grande valeur sentimentale. 10 ans, c'est très important. Pourquoi nous t'envoyons ce portrait de ton papa au même âge? Attends, Charlotte, attends. Et pourquoi? C'est mon cadeau? Moi aussi, elle m'inquiète. Mais regardez-la, elle fait n'importe quoi. Elle manque de concentration, ça c'est évident. Quel gâchis. Si elle continue comme ça, je pourrais pas la présenter au concours. Elle irait droit à l'échec, là. Hey, t'es au courant pour mon père? Quoi encore avec ton père? Ben ça y est, il a invité ta mère à dîner. Génial. Bon, maintenant t'es gentil, tu me laisses passer, ok? Attends, je vais chercher mon vélo. Mais qu'est-ce que tu fous? Attends-moi. On allait sauter, hein. J'étais bien nue. Heureusement que je t'ai, mon Cupidon. T'es mon seul ami. Les autres, c'est que des menteurs. Allez, c'est moi qui m'y colle.
Ouais. Quand maman est partie, rappelle. C'est moi qui voulais rester avec toi. Et puis j'espère que tu ne regrettes pas, moi. Non, ça, je ne regrette pas. Je suis bien avec toi. Mais tu m'avais bien promis qu'entre nous, il n'y aurait jamais de secret. Oui. Oui, même qu'on avait fait un pacte. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ouais, je me souviens. Et alors? Alors, si tu sais quelque chose pour Charlotte, je voudrais que tu me le dises. Je comprends pas pourquoi elle est si malheureuse. J'allais te le monter. T'es drôlement en avance ce matin. Tiens. Charlotte, je veux pas te voir triste comme ça. Tu sais que je t'aime plus que tout. Tu devrais aller t'habiller. Tu vas être en retard au bureau. J'en ai pour 10 minutes et je te conduis à l'école. Je préfère y aller toute seule ce matin. Poils noirs comme Napoléon. Ouais. Normal, c'est le père le plus important. Ah, c'est intéressant ça. Et pourquoi c'est le père le plus important? Bah, c'est fastoche. Quand on met une graine dans un pot, ce qui grandit, c'est la graine, pas le pot. Bah, les enfants, le professeur Thierry nous réinvente la génétique là. N'importe quoi. Si c'est vrai, c'est mon père qui l'a dit. Faut-tu dire à ton père qu'un pot de fleurs et un être humain, c'est pas la même chose quand même. Bon, allez, tout le monde dehors, récréation. Ouais. Jouer dans la cour? Il va t'attendre, Olivier. J'ai pas envie. Et puis, de toute façon, j'ai toujours mal au cœur depuis l'autre jour. Tu veux pas me parler? Ça fait du bien de parler à quelqu'un. Je sais plus où j'en suis, monsieur. Pourquoi elles m'ont menti? Ben ça, je sais pas, Charlotte, moi. Mais la vie, c'est compliqué, tu sais. Je sais que t'as une maman qui t'aime énormément. Ça, c'est sûr. Et toi, tu l'aimes très fort aussi. Ça se voit quand vous êtes toutes les deux. Mais quand on aime vraiment, on se dit toujours la vérité. Autrement, c'est pas de l'amour. On peut aussi mentir par amour. Mais alors après, c'est compliqué, parce qu'on sait plus comment dire la vérité. Toi, ce qu'il faut, c'est que tu gardes confiance en ta maman. Elle a besoin de ça. Tu comprends? Bah oui, je comprends. Je suis plus une petite fille. Hein. Ouais. Je ne vous dérange pas trop, monsieur Novak? Jamais, madame la directrice, jamais. Je voulais vous toucher 2 mots à propos de la petite Charlotte Renon. Charlotte, oui, il y a un problème? Pas vraiment, mais comment vous la trouvez en ce moment? En ce moment, elle n'est pas très en forme, c'est vrai, oui. Mais bon, elle est à l'âge où on se pose tellement de questions. Je vous sens inquiète. Inquiète, assez préoccupée, oui. La responsable de la cantine sort de mon bureau, la petite n'a rien avalé depuis 3 jours. Super chouette! Ouais. J'ai quitté le bureau plus tôt. Ça t'arrive jamais? C'est pas malade, moi? Non.
J'avais seulement envie d'être près de toi. Viens me faire un gros câlin, ma chérie. Maman, tu me pardonnes? Oui. Écoute, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, maman, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble toutes les deux. Et que je sois sortie de là-dedans. Je peux jouer avec vous? Tiens, tu nous fais plus la soupe à la grimace. Dépêche, la récré est bientôt finie. Qui peut me dire à quelle famille appartiennent les chevaux? À la famille Olivier, monsieur. Elle est bonne, celle-là, remarque. Mais pour la grand-mère, c'est un peu léger. Hein. La famille A Olivier, c'est pas terrible. Alors... Monsieur, c'est vrai que la semaine prochaine, on va visiter le Hara? Oui, c'est vrai. Ouais. Dis donc, les nouvelles vont vite. Hein. Le père d'Olivier, d'accord. Alors, les chevaux, quelle famille? Charlotte? Les équidés, monsieur. C'est bien, Charlotte. Va me les faire au tableau. Charlotte, ça va pas? Si, si, ça va. Assieds-toi, Charlotte. Charlotte. Lâchez la directrice. Qu'elle appelle un médecin, cours! Non, t'en bouge pas, ça fait pas mal. Voilà. Et bien, toi, tu peux dire que tu nous as fait peur. Vous avez prévenu sa maman? Oui, oui, elle arrive, là. Fallait pas l'appeler, elle va avoir peur pour rien. Ah, bah dis donc, tu reprends vite du poil de la bête, toi. C'est bien, ça. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Je sais plus, moi, une banane. Oh, une banane. Bah, ça suffit pas, ça, ma belle, hein. Une grande fille comme toi, il faut faire des vrais repas. Allez. C'est pas grave, c'est juste une petite crise d'hypoglycémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges que des bananes, tu tombes dans les pommes. Tiens, ta maman, bonjour. Qu'est-ce qu'elle a? C'est pas grave, madame, je vous en prie, asseyez-vous. Ma pauvre petite puce, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, t'affole pas, c'est rien. C'est rien, mais il faut que tu manges. Oh. Vous avez son carnet de santé, madame Roland? Merci. J'aimerais vous voir après la classe, monsieur Novak. Oui, oui. Bon. Bah, apparemment, c'est une petite demoiselle en excellente forme. Oui, on est plutôt du genre solide dans la famille. Elle a bien eu tous ses vaccins? Oui, bien sûr. Pourquoi? Non, pour rien, mais de sa naissance à 4 mois, les pages sont vierges. Oui, j'ai... C'est pas l'original. Je l'ai garé pendant un déménagement. Bien. Merci. Une enfant qui ne mange plus, c'est une enfant qui ne va pas bien. Je ne voudrais pas dramatiser, mais... Ah, j'espère que c'est passager. Enfin, jusqu'à présent, la petite Charlotte était une enfant heureuse, sans problème. Madame Renaud, une maman exemplaire. Ah, justement, je voudrais lui parler à la maman. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout, monsieur Novak. Bon. Mais si je vois que ça persiste, je serai dans l'obligation d'alerter une assistante sociale. Ah, je comprends, oui. Est-ce que vous connaissez le père? Non, je ne l'ai jamais connu. Charlotte et son nounours 4 mois, Charlotte en fond de parc, Charlotte pensive, Charlotte se repose, Charlotte et sa maman 4 mois, Charlotte après sa colère, 4 mois et demi, 4 mois et demi.
que Charlotte boude un peu. Vous voulez que je l'appelle quand même? Non, non, c'est vous que je suis venue voir. Enfin, j'imagine que c'est pas facile, mais il faut lui expliquer. Mais lui expliquer quoi? Quand un enfant ne va pas bien, rien n'est pire que le silence. Mais elle allait très bien avant que vous lui parliez de génétique. Vous savez bien que Charlotte vous aurait parlé un jour ou l'autre de la couleur des yeux de son père. J'imagine que votre réponse était prête. Écoutez, monsieur Novak, je crois savoir ce que je dois dire ou non à ma fille. Bien sûr. Moi, je fais ce que je peux pour Charlotte. De ton parfum. Tu sais, celui qui sent la mer. Tu peux le prendre, je te le donne. Oh, merci. Mais descends, je te prépare à dîner. Génial. Oui. Je vous dérange pas, monsieur? Non, 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 entre, entre. Tiens, je viens de finir de corriger ta rédaction, là. C'est bien, hein? Tu vas avoir une bonne note. C'est tout l'effet que ça te fait. La mère de Charlotte vient de téléphoner. Elles viendront pas dîner avec nous. Bah, après ce qui s'est passé, il fallait s'y attendre, hein. De toute façon, je suis sûre qu'elle trouve que mon père, il est nul. C'est normal, elle travaille dans des bureaux et puis lui, il sent le crottin, ça pourra jamais coller. Vous êtes marrant, hein. Vous croyez qu'il suffit de claquer dans les doigts? Ben non. Non, parce que les adultes aussi, ils ont leurs problèmes. Ouais, mais avec les filles, c'est vachement compliqué. Tu penses à Charlotte, là? C'est plus comme avant avec elle. On dirait que je l'énerve tout le temps. Je suis sûre que je suis plus son meilleur copain. Non, je crois pas, au contraire. Elle a besoin de toi, là. Charlotte, elle a des gros soucis en ce moment. Et quand on a des gros soucis, on a besoin de son meilleur ami. Je t'assure. Tu me promets, hein? À la cantine, c'est du qui pue, Charlotte. Bon, d'accord. J'en mangerai de leur poisson. Mais c'est bien pour te faire plaisir, hein? Allez, travaille bien. À ce soir. Allez, Charlotte! Salut! Salut, ça va? Ouais. Et t'as regardé la télé hier? Ouais, c'était bien le film. Ouais. Vous connaissez bien Bourgueil? Parce que j'ai vu une belle maison ce matin, une très très belle maison sur la place de la mairie. Vieille, très vieille. Il n'y a pas de quelle époque elle est. Henri IV, c'est marqué dessus. Henri IV? Ah ouais. Et il a régné de quand à quand, Henri IV, tiens? Vous savez, non? Non. Il a régné de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe. Ben notez. 1589 à 1610. Et après lui, ça a été qui le roi? Ravaillac? Mais non, hein. Banane, c'est lui qui l'a zigouillé. Alors, c'était qui le roi, Olivier? Ben, Henri V.
Faudrait pas confondre avec les films de Rocky, hein. T'as raison, ça dépendait du prénom. Et Louis XIV, voilà. Donc ils étaient rois de père en fils, et ça s'appelait la monarchie héréditaire. Ah alors, ils devaient avoir un gros gène royal. Tu sais, c'est pas parce qu'on était fils de roi qu'on était forcément doué pour le pouvoir. Ouais, mais alors, comment ça s'explique que la mère de Charlotte ait été championne d'équitation et puis elle, comme par hasard, est super douée aussi? C'est pas ça, c'est parce que j'aime ça, c'est tout. Et puis les chevaux, je les connais depuis que je suis toute petite, alors. Oui, mais quand même. Oui, je crois que la génétique a pas grand-chose à voir là-dedans. Hein. Toi, tu fais du piano? Il paraît que t'es très douée. Est-ce que tes parents sont musiciens? Non, mais déjà, quand j'étais toute petite, mes parents me faisaient écouter de la musique et ils m'emmenaient à des concerts. Voilà, donc ils t'ont fait aimer la musique, en fait. Voilà. Comme les parents de Charlotte lui ont fait aimer les chevaux. C'est surtout le milieu dans lequel on vit qui peut vous influencer, beaucoup plus que l'hérédité. N'empêche que mes parents, ils sont comptables et moi en maths, c'est la quête. Si ça se trouve, à la maternité, ils sont bourrés de bébés. Ou alors, ils t'ont adopté, t'en sais rien. Oui. Ils t'ont trouvé dans une poubelle. Et l'autre, ça va pas la tête, bande de nazes, voilà. Ouais, vous êtes sérieux de lui dire ça, les mecs? Ben quoi, on sait très bien que c'est pas vrai. Et alors, c'est bien d'être adopté. Pareil que t'es super gâté. T'en connais tous les enfants comme ça? Ouais, des amis de mes parents, ils ont acheté leur bébé au Brésil. Ils l'ont acheté? Oui, comme on achète un petit chien. Même que ça leur a coûté toutes leurs économies. Tu es la seule personne à qui je pouvais le dire. Porter ça toute seule, c'est devenu trop dur. Tu l'as pas dit plus tôt. Je te déçois, hein. Ça change rien, Claire. Je t'aime. Et j'aime Charlotte. C'est vrai? Embrasse-moi. Sur les bords de la Loire. Avec cette chaleur, il est complètement fou. Hé hey, t'es pas au courant? Faut que je range. C'est bien, on va voir. Besoin de guide, vous me laissez tomber. Ah, mais je vois que t'as retrouvé l'appétit. Ouais, j'ai trouvé l'appétit. Moi, j'ai aussi trouvé autre chose. En plus du carnet de santé, il n'y a pas photo de moi avant que j'ai 4 mois. Pareil pour mes affaires de bébé et pas de photo d'elle enceinte. C'est louche, non? Mais ta mère te l'a dit, ils ont perdu une caisse pendant le déménagement. Encore un bobard et l'enveloppe qu'elle a cachée, elle s'est perdue aussi, peut-être. Tu lui en as parlé de cette enveloppe? J'ose pas, elle va me gronder si elle sait que j'ai fouillé partout. Alors, a raison. Vous pourriez peut-être lui demander, vous. Oh, mais dis donc, toi, où tu veux en venir? T'as une idée derrière la tête, hein? Vous comprenez rien. La vraie vérité, c'est que tu es adoptée. Et si vous voulez pas m'aider, tant pis, je me débrouillerai toute seule. Charlotte! Charlotte! Est-ce que tu sais tenir ta langue d'abord? Maman, s'il te plaît! Comédienne, hein? Bon alors, hier midi, en sortant du bureau, il y avait quelqu'un qui m'attendait avec un petit bouquet de fleurs. Ah bon, le père d'Olivier? On a déjeuné ensemble et on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il est canon? Ah oui, c'est super. Regarde, c'est joli ça. Je pourrais te faire une petite jupe avec. Allez! Prenez le coupon! Comme ça, vous en auriez une pour vous aussi. Apportez un vrai bonheur. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Ça te plairait pas d'être comme maman?
seriez mignonnes à croquer toutes les deux. Vous serez mignonnes à croquer toutes les deux. Les enfants sont mal élevés cette année. Écoutez, j'élève ma fille comme je veux. Laisse, elle est moche aussi. Et elle aussi, elle est moche. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, c'est bon. On va passer prendre mamie tout à l'heure. Ah. Tu sais, en classe, M. Novak nous a parlé d'astrologie. Décidément, il fait rien comme tout le monde, votre instit. Il est génial, tu veux dire. Ça nous sert pour faire du calcul. Bon, bah j'aime mieux ça. Et au fait, c'est quoi, mon heure de naissance exacte? 7h du matin. 7h pile? 7h, 7h15, je sais pas, j'avais pas le nez collé sur ma montre. Et quand je suis sortie de ton ventre, ça t'a fait mal? Accoucher, c'est jamais une partie de plaisir, tu sais, mais ça allait. Et ensuite, quand je suis née, t'as fait quoi? Comment ça, j'ai fait quoi? Je sais pas, moi, tu m'as prise sur ton ventre, tu m'as mis tout de suite dans un berceau. Et au fait, il était de quelle couleur, mon berceau? Mais c'est un véritable interrogatoire ou quoi? Oh, regarde ce qui arrive avec toutes tes questions idiotes! Charlotte, excuse-moi, on a failli avoir un accident. De quelle couleur il était, mon berceau? Je sais pas, moi, blanc, transparent, je sais plus. Tu sais plus? Ça se trouve, t'as jamais su. Elle m'avait jamais regardée comme ça. Je me suis sentie comme une étrangère. Charlotte, en ce moment, elle est dans le brouillard. Un peu. Alors, comme elle est très intelligente, elle essaie de s'en sortir. Par tous les moyens. En fait, elle a l'impression que vous lui cachez des choses importantes. À tort ou à raison, je sais pas. À propos de son père d'abord, à propos de vous ensuite. Et ça fait beaucoup de questions sans réponse. Et c'est pour ça qu'elle réagit aussi violemment. Avec mon mari, on a toujours eu l'intention de lui apprendre la vérité. Mais quand Charlotte a eu l'âge de comprendre, son père est mort. Alors j'ai pas eu le courage de lui parler. Mais maintenant, il faut trouver la force de le faire. Parce que cette vérité, même si ça doit lui faire beaucoup de mal, elle veut l'entendre, elle la réclame. Mais j'ai peur de la perdre. C'est ma fille, vous comprenez? C'est ma fille. On va se régaler, hein? Elle est où, Claire? Tu l'appelles Claire, maintenant? Voilà des manières. Maman est partie faire des courses. Des courses, oui, bien sûr. Faites que ça finisse, mon Dieu, mais faites que ça finisse. Un matin, je m'en souviendrai toujours. Ils nous ont appelés pour nous dire qu'une petite fille était disponible. Disponible, c'est le mot qu'ils ont employé. Et elle était toute petite? 4 mois. La première fois que je l'ai prise dans mes bras, j'étais folle de joie. On avait enfin notre enfant. Et à part votre mère, personne ne sait? Non, enfin si, Philippe. Et puis vous maintenant? Après son concours, je vais tout lui dire. Pourquoi est-ce que vous attendez? Chaque jour qui passe est un jour de trop. Mais ce concours, ça fait des mois qu'elle le prépare. J'ai pas envie de la perturber davantage. Ne reculez pas devant l'obstacle, Claire. Sinon, le cheval se cabre, s'emballe et on ne domine plus rien. Oui, je sais, vous avez raison. Tiens, mamie m'a dit qu'elle était délicieuse. Elle est partie, mamie? Ouais, tu sais, elle était un peu fatiguée. Mais c'est ça. Dis donc, ça avance drôlement. Ouais, j'y arriverai.
Si t'as pas perdu des pièces. Je me laisse monter sur ton cheval. Ça va pas la tête, ça serait pas un cheval. Assieds-toi, t'arrêtes comme toi. Pétasse. Tu te loues. Allez vite. Surveillez-les bien. Hein. La dernière fois, ils ont visité un élevage de truites et il y en a un qui a réussi à tomber dans le vivier. Thierry. Ah, celui-là, c'est Monsieur Cadastre. Ah là là, mes petits. Ne t'inquiète pas, j'aurai l'œil. Ah. Attention à vous. Allez. Il va le pousser derrière. Bah, c'est le petit là, ouais. Il a 4 mois. Il s'appelle Bazooka 3 et ça sera un grand trotteur. Ça veut dire qu'il va faire des courses comme le dit Orsay. Bah, j'espère bien, oui. J'espère aussi qu'il va les gagner parce que, avec le pédigré qu'il a. C'est quoi le pédigré, monsieur? Bah, pédigré, ça veut dire que son papa et sa maman ont gagné plein de courses et son grand-père a même gagné le prix d'Amérique. C'est une histoire de gènes alors? Bah oui, les éleveurs et les chercheurs utilisent la génétique pour garder les caractéristiques de certaines races. Monsieur Novak, il nous a dit que ça comptait pour du beurre. Mais non, c'est pas la même chose, vous n'êtes pas les petits chevaux, vous. Viens ici, toi. Hein? Sinon, mon ministre, ça serait le ministre de l'Agriculture. Allez, venez. Si vous vous intéressez à la génétique et au pédigré, je vais vous montrer quelque chose. Ouais. Bon, les enfants, dans ce gros registre, on a toutes les informations sur Bazooka depuis des générations. Comme ça, aucune erreur possible sur ses origines. On appelle ça un studbook. D'accord? Regarde. Père, le grand-père, Bazooka 1, Bazooka 2, tu vois? Ouais. Et vas-y, fais passer un peu que tout le monde regarde. Ouais, vas-y. Attention, c'est fragile, hein. Hé, hey, Charlotte! Tu restes pas avec nous? J'apprends que dalle ici. Où tu vas? Tu jures de pas le dire, tu jures, hein? Oh, t'es dingue? T'as juré! Les petits chevaux, descendez de là! Ouais, c'est beau! Monsieur, vous nous laisserez monter?
Tout à l'heure, c'était sage. Vous possédez combien de chevaux ? 20. Et le plus vieux ? Ah bah, le plus vieux, c'est Stella, qui a 11 ans. Alors, c'est ici que s'entraîne Charlotte pour le concours régional. Et j'espère que vous viendrez tous à Chambray pour l'encourager, hein ? Ouais ! Mais elle va gagner, Charlotte, hein, tu vas gagner. Elle est où, Charlotte ? Bah, personne ne l'a vue, là ? Non. Pas non plus ? Bah, je pensais qu'elle était par là, monsieur. Bah, elle peut pas être bien loin, c'est un peu chez elle, ici. Hein. Je vais faire un tour aux écuries, je reviens. D'accord. Qui a des questions ? Moi, à quel âge ils peuvent participer au concours ? Stukebook, Stukebook, c'est classe un Stukebook. Il y a tout là-dedans. Le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton arrière-grand-mère, toute ta foutue famille. Et pourtant, t'es rien qu'un cheval, rien qu'un animal. Tu trouves ça juste ? Tu trouves ça normal ? Et ben on va voir si tes parents étaient aussi forts que ça. Charlotte ! Je la trouve pas. Elle a pris son cheval. T'es sûr que tu sais rien, toi ? Bah... J'ai juré de rien dire, monsieur. Écoute, j'ai vraiment peur pour Charlotte. Moi aussi. Elle était très bizarre. Bon, Charlotte, c'est ton amie. Moi, je suis ton amie. Regarde-moi. Bon, je sais que c'est pas bien de trahir un secret, mais... si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. Elle va faire une grosse bêtise, monsieur. Charlotte, t'es folle! T'aurais pu te tuer! Je m'en fous de me tuer! Je suis moins qu'un animal! Je suis moins que rien! Charlotte, dis pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez! T'es la seule petite Charlotte au monde, va, allez! Et l'autre là, ma vraie-mère? Dégueulasse de faire un enfant et de le jeter comme un sac poubelle. Ah oui, mais tu sais, les femmes qui font ça, elles le font jamais de gaieté de cœur. Elles devaient avoir sûrement une raison grave. Vous la défendez, c'est ça ? Je la défends pas, mais j'essaie de comprendre. Peut-être qu'elle avait plein de problèmes dans sa vie à ce moment-là. Et puis qu'elle s'est dit qu'elle pourrait pas s'occuper de toi. Mais c'est pas sorcier, un bébé. C'est tout mignon. Ça dort tout le temps, en plus. Oui, mais quand on se dit qu'on pourra pas lui donner tout l'amour qu'on avait souhaité, peut-être que... Dans ce cas, elle avait qu'à avorter. Ah ben, si elle avait avorté, tu serais pas là de balader avec moi. T'as vu comme elle est belle, la Loire ? Tu sais, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'inscrit. Comme ça, je pourrais m'occuper de toi. On fera des courses super.
J'ai pas envie que les autres le sachent. Eux, ils savent qui c'est leur mère. Mais il faut pas avoir honte pour ça. La vraie famille, c'est celle du cœur. Vous direz rien, monsieur. Vous direz à personne que je suis adoptée. Non, je ne dirai à personne et lui non plus. T'inquiète pas. Allez, on rentre les chevaux. Viens, toi. Jean, ma puce, t'as bien dormi? Pas mal. Pas mal, mais pas très bien, on dirait. Toi aussi, ça se voit, t'as des cernes. T'as déjà déjeuné? Non, mais j'ai pas très faim. Si maintenant, c'est toi qui manges plus, on n'est pas sortis de l'auberge. Dis, maman, tu m'emmènes à l'école? Ouais. Oh non, 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 on a déjà eu du mal à caser les bébés de Joséphine et tu nous ramènes ta Céleste. Mais c'est juste pour le week-end, monsieur, pour pas qu'elle s'ennuie. Ça s'ennuie le week-end, les hamsters, tu crois? Bon, d'accord, on va les présenter Joséphine. Mais pas de bagarre, hein, vous faites attention. Elle a quel âge? 2 ans. Elle les fait pas. Allô, hamster. Et celle-là, la petite, on lui a pas donné de nom. Qui a une idée pour la petite, là? C'est une jeune fille. Turbo, Clémentine, Étoile. Blanche-Neige. Ça va pas, elle est marron. Oui, elle a raison. Ouais, il y a qu'à l'appeler Dame, comme ça fera Amsterdam. Hé, regardez, elle est paumée. Elle sait même plus qui c'est sa mère. Dans ce cas, c'est cool, on a qu'à l'appeler Charlotte. Salaud. Salaud. Connard. Qu'est-ce qu'il prend, petit con? Arrêtez, allez vous asseoir les autres. Allez vous asseoir. C'est incroyable ça. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est vrai. Toi non plus tu sais même pas qui est ta mère, puisque t'as été adoptée. Hé hey, Thierry, ça suffit. Toi tu retournes à ta place. C'est toujours moi qui me fais engueuler. Et tu te tais. Bah oui, je suis adoptée. Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Vous voulez ma photo? Eh bien, la voilà! Charlotte! Charlotte! Bah quoi? Oui, donne un peu plus de jambes. Je vais monter la barre, hein? Ça va, ma puce? Je suis pas ta puce. Je suis la puce de personne. Oh là là. C'est pas grave, tu sais. Cupidon est seulement un peu fatigué. Rien n'est jamais grave avec toi. C'est ta faute si j'ai raté. C'est toujours là à me surveiller. Charlotte, je veux pas que tu me parles sur ce ton. Et moi, je t'interdis de venir aux entraînements, t'entends? C'est de pire en pire, je sais plus quoi faire. J'ai l'impression qu'elle me déteste. Non, je crois qu'elle est très mal dans sa peau. Elle se cherche. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Elle dit qu'elle veut savoir qui est sa vraie mère. Mais c'est normal, tous les enfants adoptés veulent savoir, un jour ou l'autre. Mais pourquoi faire? Pour aller la retrouver? Pour vivre avec elle? L'important pour Charlotte en ce moment, c'est de savoir qu'elle peut savoir. Mais sa vraie mère, c'est vous, hein. Ça sera toujours vous. Allez, viens, toi. Thank you.
Aujourd'hui, Charlotte ne viendra pas. Sa mère a téléphoné qu'elle était malade. Moi, je crois plutôt que c'est parce qu'elle est très triste. Je crois aussi qu'elle est très triste. Tout le monde sait pourquoi dans la classe. Monsieur, quand j'ai dit ça, c'était pour rire. Ben, c'était pas très drôle. C'était pas drôle parce que maintenant, Charlotte se sent différente de vous tous. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que le jour où ses parents l'ont adoptée, ils ont fait l'un des plus beaux gestes qui soit. C'est quand même dommage de gâcher ça, non? Il y a tellement d'enfants qui manquent d'amour. Quand je serai grande, j'en adopterai plein des enfants. T'as encore le temps d'y penser, hein? Et moi, quand je vois assis dans la classe, tous, je vois des enfants. Rien que des enfants avec votre histoire, vos problèmes, vos richesses. Et j'ai vraiment pas envie qu'il y en ait un qui soit malheureux. Nous, on s'en fiche, monsieur, que Charlotte soit adoptée. Bien sûr qu'on s'en fiche, c'est toujours notre copine. C'est bien de le dire, mais ça serait peut-être aussi bien de le lui montrer, non? Vous voyez ce que je veux dire? Entrez! C'est ouvert! Ah, bonjour, Victor. Bonjour. J'étais venu prendre des nouvelles de Charlotte. Elle est dans sa chambre, elle veut voir personne. Ah, j'ai un message pour elle. Un message très, très important. Venez. Mais c'est Cupidon. Qui c'est qui l'a dessiné? Devine. C'est Thierry. Pas mal. Je savais pas qu'il aimait les chevaux, l'affreux. On t'attend tous à l'école. Tu nous manques. C'est vrai, ce mensonge? Mais je sais que vous dites toujours la vérité. C'est pas comme elle. Tu devrais pas dire ça. Ta mère, c'est une femme formidable. Mais comment ça se passe? Quand une femme veut qu'on adopte son enfant, elle le fait toute seule chez elle sans rien dire à personne et elle le laisse dans la rue? Ben non, ça se passe pas exactement comme ça. Elle accouche normalement à l'hôpital et elle demande à garder l'anonymat. Ça veut dire que je pourrais jamais la connaître? Elle devient difficile. Je vis continuellement dans la peur qu'elle s'éloigne de moi. Avant, tout était si simple. Mais le passé, c'est le passé, Claire. Pense à l'avenir, à notre avenir avec Charlotte et Olivier. Mais tout s'arrangera, tu verras. Tu crois? Mais je crois pas, j'en suis sûr. Puis moi, j'ai envie d'être près de toi tout le temps. Hum? Ça va, t'es toute pâle? Excuse-moi, je me sens pas bien, je reviens. Une petite pièce? Cette chaleur. Dan, je vais t'aider à manger. C'est mignonne, ma puce. Tiens, je trouvais ça dans la boîte aux lettres. Ah. Tu n'ouvres pas? Non, c'est pas important, ça peut attendre. T'es pas malade au moins? Non, je suis juste un peu fatiguée ces derniers jours. Maman, ouvre là. Mmh.
C'est pas grave. Maman, t'as promis de tout me dire. Charlotte, je vais avoir un bébé. Et c'est Philippe le papa. Ça m'énerve, je comprends plus rien. J'ai cru qu'il m'avait adopté parce qu'il pouvait pas avoir d'enfant. Encore un bobard. Et non, pourquoi? Quand un couple ne peut pas avoir d'enfant, c'est pas forcément parce que la femme a un problème de stérilité. C'est à cause de mon père? Vous pouvez pas faire de câlin hein? Si, sûrement, mais... des fois, ça suffit pas, les câlins. Oui, mais n'empêche qu'avec le père d'Olivier, ça a pas traîné. Hein. Il y a un mois, elle lui disait à peine bonjour. Mais t'es un vrai petit génie, toi. Mais viens, je vais te le montrer. Tout à l'heure. Je suis un peu fatiguée. Tu comprends? Bien sûr. Maintenant, il n'y en a plus que pour lui. Moi, je compte pour du beurre. Charlotte. Mon accord, en fait. Tu sais, Charlotte est complètement perdue. Je peux pas lui imposer ça maintenant. Mais comment ça, imposer? Avoir un petit frère ou une petite sœur, c'est pas une punition, c'est la vie. Puis pense un petit peu à toi. Cet enfant, tu le désires autant que moi. Tu peux pas te sacrifier éternellement pour Charlotte. Même pour elle, c'est pas bien. Écoute, j'ai bien réfléchi, ma décision est prise. Je sais pas si on résistera à ça, tu sais. Vous êtes disputé? Non, mais tu sais, on peut pas toujours être d'accord sur tout. Hein. Oh là là, les femmes, quelle galère! T'as raison. Allô, l'hôpital de Bourgueil? Oui, bonjour madame, c'est pour prendre un rendez-vous. Je sais pas. Oui, c'est pour une interruption de grossesse. 6 semaines. Oui, j'ai déjà fait l'entretien préalable. Vendredi 10h30. D'accord. Des allumettes. Ouais, et ses pieds, ils sont tout petits. Qu'est-ce qu'elle est belle. On dirait qu'elle dort. Ouais, c'est pas sûr, ça. Félicitations, madame Jeanne. Ah, tu vois. Elle a de la chance d'avoir une maman maîtresse, elle aura des bonnes notes. Elle est en forme. Oui, oui. Elle est en très grande forme. Elle m'épuise. Bienvenue, la petite Marie. Mais non, 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 allez. C'est vrai que quand ils naissent, les bébés, ils y voient pas clair. Oui, c'est vrai. Encore maintenant, elle voit un peu flou. Elle fait comment pour vous reconnaître?
Ça, je crois que c'est à l'odeur. Et puis surtout, elle sait que je suis sa maman. Elle sert fort, c'est dingue. Moi, ça me donnerait presque envie d'avoir une petite sœur, pas toi? Une interruption de grossesse. Vendredi 10h30. Charlotte. Charlotte, excusez-moi. Charlotte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrête! C'est trop grave, monsieur. Il faut que je voie ma mère. Il faut que je lui dise. Sinon, il va être trop tard. Il va être trop tard pour quoi? Mais ma petite fille, il n'est pas question que tu quittes l'école en plein milieu de la matinée. Et tu voudrais aller où comme ça? De toute façon, c'est pas vos oignons d'abord. Ah, ça, c'est la meilleure. Laissez, je m'en occupe. Je projette qu'il y a des jours. Charlotte, calme-toi et explique-moi. Je veux pas, monsieur. Je veux pas que ma mère porte son bébé à cause de moi. Aux enfants ici? Je cherche ma mère, monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît! Mais elle est dans quel service, ta maman? Je sais pas! De lui, tu verras. Je t'aime, moi.
C'est l'endroit que je préfère. Ça fait longtemps que je suis pas venue. C'est vrai que c'est beau. En plus, si on suit le courant, on arrive toujours à la mer. C'est toi qui me l'as dit. Tiens, je vais te donner ça. Ce sont des documents qui concernent ton adoption. Maintenant, ils t'appartiennent. C'est pour si un jour tu veux faire des recherches. Je peux l'ouvrir, t'es sûre? Maintenant, je suis sûre. Numéro 4 est le prix du swing golf. C'est une épreuve de type C2 Open, c'est-à-dire ouverte aux cavaliers de 3e et 4e catégorie. Bon, tu te mets bien dans l'axe, tu donnes des jambes. Après l'obstacle, tu te mets bien en suspension, d'accord? D'accord. Tiens, vas-y, avance ta jambe. Comment ça va, Charlotte? Super, allez, bonne forme. Oh, dommage pour elle. Pas bon pour elle, mais excellent pour Charlotte. C'était sa concurrente principale. Ah, bravo. En piste, notre dernière concurrente, Charlotte Raymond. Voilà, vous approchez un tout petit peu de... C'est bien. La coupe plus haute parce que je la vois pas bien, là. Elle est lourde. Vas-y, Olivier, aide-la. Attention, 1, 2, 3, vous me regardez. Les enfants, ouh, vous pouvez venir. On arrive. Ah. Et voilà. Ah. Bravo, Charlotte. Ouais. Bravo, mamie. Vous allez voir, il est bon. Attendez, je vais vous aider. Je sais que vous avez un faible pour le chocolat. Oh, mamie, vous allez me manquer. On ne mangera jamais tout ça. Comme le disait un très vieux sage, notre cœur est triste et gai à la fois. Triste parce que Victor va nous quitter. Ah oui. Et gai parce que nous savons qu'il reviendra. Ouais. J'espère bien. Oui, je reviendrai ici. Pour une raison. J'ai un cheval qui m'attend. Oh, Victor. Non, je reviendrai vous voir parce que... Parce qu'ici, je trouverai une famille. Une famille heureuse. Alors, je lève mon verre à vous tous. À Victor! À toi, Charlotte. Chine. À mes petits-enfants, à mes enfants. Mamie! À vous. À vous. Je vous oublierai jamais, monsieur. On va être bien tous les quatre, hein, Charlotte? Tous les cinq, tu veux dire? Vous vous êtes aperçus de rien, mais maintenant, on peut vous le dire. Charlotte et moi, on s'est donné vachement de mal pour vous mettre ensemble. Et ça n'a pas été facile. T'es bien garçon, toi, t'as rien compris au film. Je ne comprends pas du tout. Au revoir, Victor. Au revoir.